Pour la CFDT, le futur souhaitable, c'est évidemment, comme toute organisation syndicale, un monde du travail beaucoup plus juste, avec des emplois de qualité, avec une bonne protection sociale et que chacun puisse vivre dignement de son salaire. Mais je crois que puisqu'on est au CESE, l'enjeu pour 2035, c'est qu'on soit capable collectivement de se fixer de vrais indicateurs de progrès sur la biodiversité, sur les inégalités, sur l'éducation, la santé, la recherche, l'innovation par exemple, et qu'on soit capable ensemble de regarder quels sont les chemins à emprunter pour qu'on arrive à cette France de progrès qui soit une France beaucoup plus juste, beaucoup plus écologique, mais aussi beaucoup plus démocratique. Le CESE, c'est l'incarnation de la société civile avec ses contradictions, les tensions qui traversent cette société, c'est-à-dire des intérêts qui sont parfois divergents. Et le rôle du CESE, c'est de construire les réponses, les solutions aux profondes transformations qui sont devant nous. On le sait, la transition écologique, la transition numérique, mais également les enjeux de société, les enjeux démocratiques sont énormes. Et le CESE doit être ce lieu de la solution partagée, débattue, construite ensemble, pour que chacun s'y retrouve et que demain, la société, la France de 2035 soit plus juste. Donc c'est à la fois un lieu de délibération, mais c'est aussi un lieu d'acceptation de nos contradictions pour essayer d'émerger, de faire émerger des solutions concrètes.